Alors bonjour à tous, je souhaite faire un petit rappel sur ce que nous avons fait avec Kant, donc sur la critique de la faculté de juger l'année précédente, cela pour éventuellement aussi les gagnes qui cubent et également puisque c'est important en fait pour cette année, nos thèmes, l'art et donc la technique, c'est fondamental de bien saisir cette critique de la faculté de juger. Donc j'ai pensé que sous forme d'une vidéo, je pouvais vous rappeler quelques éléments et comme ça, vous pouvez vous replonger dans les ouvrages ou les lire, les découvrir si vous ne les connaissez pas. Alors donc la critique de la faculté de juger de Kant, donc c'est la troisième critique après la critique de la raison pure et la critique de la raison pratique. Donc j'aimerais dans cette vidéo-là juste brièvement expliquer comment Kant en est venu à prendre l'art au sérieux. Donc, et à lui accorder en fait donc une fondation critique transcendantale, alors même que au départ l'art n'était pas forcément concerné par donc une fondation a priori comme la nature avec la science pour l'aborder ou la liberté avec la morale hein, pour la deuxième critique. Donc, rappelons que pour Kant, penser, c'est juger. Hein, donc, juger, ça consiste à mettre en rapport un sujet qui juge avec un objet qui est jugé. Or, il y a des manières très différentes d'établir ce jugement. Et Kant va essayer de les différencier et d'attribuer à chaque manière de juger, finalement, une légitimité spécifique. Il va dire à quoi chaque jugement peut prétendre. Et c'est ce qu'il appelle faire la déduction transcendantale des jugements. Donc, déduire un jugement, c'est le fonder en droit et dire ce à quoi il peut prétendre. Vous pouvez essayer de traduire comme ça si vous ne comprenez pas ce vocabulaire. Peut-être que c'est plus simple de penser que voilà, on donne les bons et les mauvais points à tel type de jugement, on fait le tri. Donc, fonder un jugement, c'est aussi indiquer le principe sur lequel ce jugement repose. Et le but de cette vidéo, ça va être de montrer que le jugement esthétique, pour Kant, repose sur le plaisir ou le déplaisir que l'on ressent. Et il va montrer que sur le plaisir et le déplaisir, on peut fonder donc un jugement solide, un jugement qui mérite une critique. Alors ce travail de fondation en fait critique, c'est pour lui un travail critique au sens où il faut faire le tri. Hein, crinen, ça veut dire aussi faire le tri, passer au tamis. Il va falloir faire le tri entre des jugements a priori, des jugements purs, des jugements a posteriori, des jugements absolu, relatif, universel, particulier, que sais-je. Donc il va falloir objectif, subjectif, etc., nécessaire, contingent, etc. Donc il va falloir distribuer, en fait, mettre en ordre tous ces jugements. Et donc on va essayer de voir justement où se loge le jugement esthétique, le jugement de goût, à quoi peut-il prétendre par rapport aux autres types de jugements que sont les jugements théoriques, hein, qui ont été examinés on va dire, si on résume, dans la critique de la raison pure, et les jugements pratiques qui ont été examinés dans la critique de la raison pratique. Alors, donc, les deux types de jugements que Kant a déjà examinés sont le jugement théorique et le jugement pratique. Disons quelques mots de ce jugement théorique, pardon, avant d'en venir au jugement esthétique. Alors, le jugement théorique consiste à subsumer des cas particuliers rencontrés dans l'expérience sous des règles universelles. Et ce sont les règles universelles qui comptent. Hein. Finalement, si on fait de la science, c'est bien sûr pour faire rouler des billes sur des plans inclinés, mais c'est surtout pour dégager des constantes universelles. Par exemple, la loi des chutes des corps, comme Galilée l'a fait. Alors donc, ces lois elles-mêmes doivent être envisagées comme formant un système de toutes ces lois. Alors, il a été examiné dans la critique de la raison pure. Donc, à quoi ces jugements peuvent prétendre? Comment est-ce que les formes a priori de l'intuition, les concepts a priori de l'entendement peuvent organiser en fait le champ en fait de la nature, pardon, quand il s'agit de déterminer la nature en la subsumant sous des lois. Alors, le jugement pratique, quant à lui, ou moral, a été examiné, lui, dans la critique de la raison morale. Il consiste à savoir, si on résume vraiment, à quelle maxime mon action obéit. Et à essayer de voir si cette maxime est universalisable. Si elle l'est, le jugement est dit purement moral, hein, nous agissons par devoir, car il repose sur le pur respect pour la loi morale, que l'on entend nous inscrire en lettres d'or, et à ce moment-là, on écarte de nous tout intérêt égoïste particulier, et on reconnaît la dignité de toute personne comme en nous. Donc,
on rentre dans une relation de pure réciprocité avec autrui, etc. Et donc, à cette condition, on peut dire qu'on agit non pas seulement conformément au devoir, mais par devoir. Donc, tout ça a été exploré, hein, toutes ces distinctions, dans la critique de la raison pratique. Donc, le jugement théorique et le jugement pratique ont donc mérité des déductions transcendantales a priori, parce que ces deux jugements reposent l'un et l'autre sur des principes a priori. Alors, le jugement théorique repose sur le principe a priori, je l'ai dit tout à l'heure, de la légalité, hein, donc cette nécessité de lois qui régissent la nature, qui permettent d'articuler en fait dans un système l'ensemble des lois. Par exemple, la loi de la causalité, etc. Pour organiser l'expérience, etc., etc. Et le jugement pratique a lui aussi mérité une critique transcendantale parce qu'il est fondé en fait sur cette liberté absolue hein, des personnes morales, donc sur cette dignité des personnes. Donc il y a un principe ici qui est la liberté. Donc ça y est, il y a deux colonnes si on peut dire, critique de la raison pure, la légalité de la nature, la nature comme mécanisme, et de l'autre côté, donc l'homme comme libre, comme porteur de cette loi morale qui lui fait toujours traiter autrui comme fin et non seulement comme moyen, en tout cas en droit, même si de fait les hommes ne respectent pas cette loi morale. Est-ce que le jugement qui porte sur l'art peut prétendre quant à lui à une telle généralité, à une telle nécessité, à une telle légalité? Est-ce qu'il porte sur un objet aussi important que la nature, explorée par le scientifique, qui est sérieux dans son expérimentation? Est-ce qu'il porte sur un aussi. En fait, est-ce que le jugement porté sur l'art porte sur un objet aussi digne d'intérêt que le jugement moral, lorsque, en fait, on mesure si des personnes, subissant des remords, etc., ont respecté ou non. Comme elle l'aurait dû, la loi morale. Est-ce que ça mérite en fait? Est-ce que l'art est aussi important? Alors au départ, à première vue, Kant pense que non. Il ne pense pas que parce que en fait, il pense que le beau est moins important dans un sens que le vrai et le bien, parce que l'art est relatif, subjectif, que le plaisir est très relatif quand on est face à une œuvre d'art. Au début, c'est sa position, et sa seule position, on va dire. L'art dépend des goûts et des couleurs de chacun. À la différence de ce qui se passe en science ou en morale, où là, voilà, on ne peut pas tergiverser. Par exemple, on ne peut pas dire tout à coup, je voudrais que la gravité soit autre, ou je voudrais m'autoriser à mentir dans tel ou tel cas, parce que cela m'intéresse. Donc, le plaisir ou le déplaisir ressenti face aux œuvres varie. Il semble donc contingent, flottant, et on peut se demander pourquoi s'y attarder? Qu'est-ce que mérite l'art hein, des goûts et des couleurs, il semble qu'on puisse sans fin discuter, mais sans pouvoir disputer, et donc finalement, il n'y aurait pas de fondation a priori possible, puisque le plaisir ne semble pas solide hein, à titre de principe pour fonder quoi que ce soit. Mais Kant va changer d'avis, et c'est pour cela, c'est à partir de là que va naître cette idée d'une troisième critique qui va en même temps avoir l'intérêt de former une arche, hein, donc d'être comme la clé de voûte. Pour faire une arche au-dessus de la première œuvre, la critique de la raison pure qui pose comme principe la légalité de la nature envisagée comme une mécanique avec des causes et des effets, et de l'autre côté, l'homme comme libre, hein, comme pouvant spontanément en fait faire des choix. Et donc, il va en fait faire naître un intérêt pour l'art aussi grand finalement que celui porté à la science, on va dire, et à la morale pour faire vite. Le beau va se mettre à l'intéresser progressivement, autant que le vrai ou le bien. Repartons pour comprendre cela, comme Kant, de l'expérience théorique de la nature. Il faut partir de cette expérience théorique de la nature pour comprendre comment le plaisir en est venu à pouvoir jouer le rôle de fondement, en fait, pour le jugement de goût. Alors, quand on rencontre des cas particuliers nouveaux, hein, quand on aborde sur un plan théorique la nature en tant que scientifique, on arrive toujours, dit Kant, à les ranger sous des règles et des lois, dont la systématicité est un fait. Toutes les lois entrent dans un système unique, si bien qu'il semble que le monde lui-même présente une systématicité. Le monde, plus on le découvre par nos expériences ponctuelles, semble être un cosmos et non pas un chaos. Le savant semble ne même pas s'en étonner, hein, donc ou l'admirer, et n'éprouve pas même de plaisir à le constater. En général, l'ordre du monde lui semble normal, évident, pas de quoi s'extasier ou le contempler.
C'est comme ça. Hein. Ce ne sont que de pures réactions mécaniques en chaîne. Pourquoi s'émerveiller en effet de ce qui est mécanique et de ce qui est nécessaire? Or, justement, dit Kant, nous devrions nous étonner de cet ordre du monde, de cette systématicité des lois de la nature, car il aurait pu en être autrement. Hein. Même le scientifique devrait avoir conscience de cette contingence de l'ordre, de cette devise. Il devrait s'émerveiller du cosmos. Le cinabre, c'est son exemple, aurait pu être tantôt rouge, tantôt vert, tantôt lourd, tantôt léger. Par exemple, la loi de la gravité aurait pu changer toutes les 5 secondes. On aurait pu de temps en temps s'envoler, de temps en temps retomber à terre. Donc en droit, le monde pourrait être un chaos. Même si de fait, hein, Kant est d'accord pour dire, bien sûr, qu'à chaque fois qu'on cumule de nouvelles expériences, à chaque fois qu'on approche le monde, on peut mettre en ordre ce qui est nouveau. On trouve de l'harmonie dans les choses. Par exemple, l'ornithorynque, quand on le rencontre sur une île telle que l'Australie, au début, on ne sait pas le ranger dans les espèces, puis finalement, on lui trouve une place dans les classifications. Éventuellement, on remodifie le système des classifications pour que tout rentre dans l'ordre. Le vivant semble donc former une totalité systématique, comme si c'était bien fait. Hein, c'est comme si c'était même là pour qu'on admire à la fois la beauté du tout et l'harmonie de chaque élément avec l'ensemble. Alors, bien sûr que le rossignol ne chante pas pour qu'on l'admire. Hein, mais c'est comme s'il le faisait pour cela. Bien sûr que les coraux dans l'océan ne sont pas faits pour qu'on les admire eux non plus, ou les plumes colorées d'un ara en pleine forêt équatoriale. Mais c'est comme si c'était fait pour qu'on les admire. Et donc c'est cet émerveillement que Kant essaye de restituer dans la critique de la faculté de juger. Bien plus, hein, donc, va dire Kant, pour qu'un scientifique continue à explorer l'univers avec autant de confiance, il doit lui-même présupposer l'idée de système, l'idée de cosmos, l'idée que l'univers forme un tout unifié, tout comme sa science forme un tout unifié. Et, nous dit Kant, il devrait ressentir un plaisir incommensurable, un plaisir a priori, à voir sans cesse vérifier cette idée du monde comme un cosmos. Donc là, il y a quelque chose qui devrait être merveilleux, même en science, c'est cette idée du monde comme harmonie. On devrait le contempler. Et tout à coup, Kant découvre qu'il y a un troisième principe a priori, en plus de la légalité qui régit la nature, pour les jugements théoriques, on l'a déjà dit, et de la liberté qui gouverne l'action humaine et les jugements pratiques. Il y a ce plaisir, ce déplaisir que l'on a face au monde et face à l'harmonie du monde, ou à sa disharmonie, va-t-il ajouter. Alors, quel type de jugement repose à juste titre sur ce plaisir comme fondement? Alors, il y en a deux. Il y a le jugement téléologique porté sur la nature, qui se produit à chaque fois que nous regardons la totalité de la nature, non comme une mécanique nécessaire, bien huilée, mais au contraire comme une harmonie où tout trouve sa place, où tout est bien fait, comme si les parties étaient en vue du tout. Quelle forme? Et chaque fois aussi que nous observons tel organisme, par exemple un merveilleux corail, etc., ou l'œil, par exemple, hein, dont les organes semblent se suppléer les uns aux autres quand l'un fait défaut pour remplir certaines fonctions. Et donc quand il y a une organicité du tout. Donc le jugement téléologique survient aussi quand tel vivant semble fait pour nous plaire, comme si la nature était une artiste, hein, donc elle aussi, comme si elle avait librement inventé des tas de formes incroyables pour nous charmer par la plasticité de ses métamorphoses. Et donc la critique de la raison, la critique de la faculté de juger, pardon, va aborder la nature comme finalisée, comme artiste, etc. Dans sa plasticité, dans sa prodigalité à produire sans cesse de nouvelles formes. Alors, quel est l'autre jugement reposant sur le principe de plaisir? Bien sûr, c'est le jugement esthétique, le jugement de goût, qui porte sur l'art, qui porte sur le beau, dans la nature ou dans les œuvres d'art. Alors, le plaisir ressenti est remarquable là aussi, car c'est un plaisir désintéressé, et là, Kant va commencer aussi à qualifier précisément. Selon la table des catégories, donc ce qui caractérise en propre ce jugement esthétique, ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Je vous remercie de votre attention.